Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est Naxi, VGM, Julio Gamerman, Ratchet Lombax. Pour. Je sens plus ton pouls. C'est la lèpre sclérosée. Avec mixé avec le sida. Oh merde, comment j'ai attrapé le sida? Moi qui suis sida. Qu'est-ce que t'as les homosexuels? Bon, alors, donc aujourd'hui on se retrouve pour Infamous Festival of Blood avec un homophobe et donc Infamous Festival of Blood, la jaquette s'affiche ici. Et donc, à la place de ma tête, c'est mieux. Et donc, bah oui, toujours. Ta tête rouge. Ta tête rouge. Cravant rouge. Et donc aujourd'hui on se retrouve, comme je disais, Infamous, donc un. C'est pas le moment. Non plus. Donc Infamous, un standalone qui est donc un jeu c'est qui est c'est une extension. Voilà, c'est une extension mais indépendante du jeu, donc vous pouvez très bien démarrer. On peut avoir le jeu sans avoir. Donc c'est ça. Ce qui n'a pas forcément énormément d'intérêt. C'est une bonne occasion de profiter de la ville en dépensant très peu. Ou alors vous pouvez télécharger la bêta aussi. Non, c'est une partie de la ville. Hein. C'est pas ah, c'est pas toute la ville. Ouais, c'est vrai. C'est la partie. C'est une grosse partie de la ville. C'est quoi en pourcentage? La partie la plus développée en fait. Quoi. Je vais pouvoir vous montrer ça. Là, vous voyez, ça c'est. Il y avait. Ça c'est les deux îles qu'on débloque à la suite du jeu dans Infamous 2. Ça c'est la première île sur laquelle on se trouve et donc là où se déroule Pyre Night, donc qui est le festival, Je t'en prie. Non, s'il vous plaît, le festival des vampires qui, un peu comme Halloween quoi en fait. Ouais, en fait sauf qu'il y a des vrais vampires. En fait, quoi. Non, en fait, sauf qu'il y a des vrais vampires comme on peut le voir. C'est une fête traditionnelle en fait. C'est une fête traditionnelle. Annuelle, donc tous les ans. Hein. Et qui se passe dans la ville de Newmarket. C'est bizarre. Hein. Donc en fait, pour le speech quoi. Vas-y, fais-nous le speech. C'est-à-dire que la Bloody Mary, donc une méchante. Qui est très connue aux États-Unis mais pas tellement en France. Voilà. Et donc cette vampire là. Se met à terreur il y a fort longtemps. Elle a été emprisonnée par un espèce de chasseur, de prêtre, je sais pas trop quoi. C'était un prêtre. Bref, du coup, depuis avec une croix assez importante qui sera importante dans ce jeu-là justement. D'accord. Et donc voilà, donc suite à l'emprisonnement de cette vampire, chaque année les habitants du Marais fêtent l'événement. Le problème, c'est que cette année, en plein pendant le festival, elle arrive à se libérer. Oui, parce qu'en fait, Cole se fait, je ne sais plus, il se fait avoir. Voilà, c'est ça. Et donc, son sang est prélevé pour permettre de réanimer Bloody Mary. Voilà. Et ce qui donne à Bloody Mary des pouvoirs assez incroyables, puisque Cole, bien sûr, n'est pas un humain comme un autre. Donc, voilà. Donc, pas de bol pour lui d'ailleurs, il se fait aussi bouffer. Voilà. Il devient vampire. Et pour lui, le seul moyen de redevenir normal, c'est de tuer la Bloody Mary avant l'aube. Voilà, avant l'aube, il a un temps limité, dizaine d'heures, quoi. Ouais, dizaine d'heures, c'est le temps de jeu ou... Non, c'est le temps scénaristique, donc bon, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas fait une extension de boum de ce nom. Oui, dans ce cas, c'est un jeu de fin du choix. Oui, voilà, enfin. Non, tu vois, Undead Nightmare à côté c'était beaucoup plus long. Oui, c'est sûr. Une histoire complète alors que là c'est. Donc, on compare à Undead Nightmare parce que, bon, comme vous l'avez remarqué, là, la particularité du jeu, c'est. Enfin, de l'extension, c'est qu'il y a des vampires partout. Bon, Undead Nightmare c'était Red Dead Redemption, des zombies. Ouais, on change complètement d'ambiance. Évidemment, déjà c'est parce que la nuit. Et puis même, je veux dire, des vampires, on affronte des bestioles vraiment dégueulasses. Enfin, déjà avant aussi. Mais c'est là, une ambiance totalement différente, ouais, et avec tout le monde glauque, qui est déguisé en vampire et en bête d'Halloween. Plus glauque, et d'ailleurs, pour la première fois, on a du sang d'ailleurs dans les Famous, quoi, donc c'est un peu plus violent. On avait du sang uniquement lorsque on n'avait plus de vie et qu'il y avait du sang sur l'écran, quoi, c'est tout. C'était du sang fictif. Maintenant, vu que le jeu s'appelle Festival of Blood, ça aide. Ouais, c'est forcément, on s'attend un peu à avoir du sang. Quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on montre comme segment du jeu? C'est là, on est dans les catacombes et on est amené à nous sommes en train de rechercher en fait une relique assez importante pour évidemment vaincre Bloody Mary. C'est quoi, c'est la croix justement? C'est justement la croix du prêtre qui avait réussi à vaincre à l'époque. Par contre, je suis un peu perdu. Oui, là on est dans les catacombes et on est amené malheureusement à faire cette section du jeu plusieurs fois. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire que
En fait, dans les 2 heures oui, du je crois. Jeu, il y a... Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est l'heure, c'est 2 heures à peu près pour finir l'aventure. Ouais, moi, j'ai mis 3 heures et j'étais en mode difficile. D'accord. Mais, ouais. Si en plus, à 30 minutes, tu te retapes ça à chaque fois. Bah, c'est un peu dommage, quoi. Donc, ouais. Donc du coup, il y a une certaine répétition. Mais après. Voilà, je ne sais plus où aller. Je vais peut-être faire une coupure et que tu retrouves où on y va. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, on vous explique un petit peu ce qui s'est passé il y a fort longtemps avec le fameux prêtre qui a crevé Bloody Mary. Qui est plongé dans l'obélisque du Vatican. Voilà, qui est mort par la suite, malheureusement. Mais il reste sa croix qui permet de vaincre Bloody Mary. Oui, parce qu'évidemment, ça a été forgé dans cet objectif et dans l'obélisque. Et donc il y a toujours Amos, tu vois, ça BD, hein, il y a toujours cet aspect oui, comics avec. Et il a un peu la même chose que moi. Ouais, un petit peu, ouais. Toi, ça sent plus de l'acné. Ma la plate, l'acné. Ouais. Donc là, tout à l'heure, quand on a commencé le vidéo test, il restait 8 heures avant l'aube. Là, il reste 4 heures. Donc ça passe assez rapidement. Ah oui, en effet, oui, c'est vraiment genre. C'est vraiment. Ouais, c'est qu'en 10 minutes, on a fait 4 heures. Bah oui, c'est ça la magie du vidéo. Donc. Tu vas rester longtemps dans la console, tu vois pas trop passer. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment. Oui, voilà, c'est. Bah, bon, on a ça se renouvelle visuellement. Ça se renouvelle visuellement par justement. Par les effets de couleurs, de lumière. Voilà. Donc, mais sinon, c'est exactement la même qualité graphique que Tamus 2, ce qui est déjà très. Malheureusement, bien. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de problèmes de framerate. Dans celui-là. Oui, dans celui-là, parce qu'il y avait justement tous les effets de feu et. Et peut-être parce que c'est aussi une version téléchargeable, non. Ouais, c'est ça, ils ont dû me foutre toute la ville dedans. Et... Donc, sinon, il y a un truc vas-y, qui est assez. Faut voir les particularités de gameplay. Voilà, c'est particularité. Maintenant, Cole est un vampire, donc il se nourrit. Petit chenapan, hein. C'est un peu comme le mec de Twilight, là, je sais pas comment il s'appelle. Celui qui fait craquer toutes les filles. Ouais, voilà. Donc là, je me suis en train de faire parce que là, il craque toutes les filles, là. Et... bon, justement, parce que là, en fait, comme vous pouvez le voir, il y a des vampires cachés. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de vampires. Il y a les. Il y a les infiltrés là qui sont bien sûr bien cachés et qui sont déguisés en civil. Okay. Et il y a les vampires normaux donc qui eux vous énervent assez énervamment. Enfin, assez énervamment. Voilà, je termine la phrase que j'ai commencé bien sûr. Donc, et là, évidemment, il y a les premiers nés qui sont en effet des petits mini-boss. Voilà, mais ils sont pas récurrents. Ils sont assez récurrents. Ouais. En fait, j'ai trouvé que donc, j'ai juste commencé parce que ma PS3 est morte après. Donc, les gondoléances. Moi aussi, je suis. Je m'appelle à ta place, hein, vraiment pas. Merci. Je trouvais juste que le jeu avait l'air d'être assez difficile quand même. Donc, toi, tu dis qu'il est chiant. Ouais. Donc, pour moi, c'est la même chose. Mais t'as peut-être d'autres types de pouvoirs de tir non pour les repousser. Mais ouais, je trouvais que le jeu était quand même assez difficile parce que on trouvait par exemple ces mini-boss vraiment assez régulièrement. Tu vois, la preuve, tu te balades dans la rue, tu fais sans faire exprès, tu shoots un piéton, tu tombes sur un mini-boss. Ah, y'a pas de temps de chargement, ça c'est bien par contre. Entre quand tu meurs. Très peu, ouais. Oh, bah, c'est vraiment rien. C'est comme dans Infamous 2, d'accord. Le jeu d'origine. Et là, c'est un des pouvoirs assez. C'est des pouvoirs nouveaux qui sont uniquement débloqués dans ce jeu. Transforme en Batman. Voilà. Parce que tu as plus les cataclysmes que tu pouvais déclencher avant, tu sais, par exemple, les pouvoirs de glace, tornade et tout. De téléportation que la nana nous donnait, quoi. Mais là, cette fois-ci, c'est des pouvoirs de vampire. Il n'y a pas les. Vous voyez, il n'y a que les trucs de tir normaux, donc il n'y a pas les. Par exemple, les mitraillettes. Par contre, tu as toujours les ondes de choc, les trucs comme ça. Hein. Bonjour. Voilà. Vous voyez, exemple, vous pouvez sortir des mini-boss super fréquemment, et ceux-là, franchement, ils sont quand même. Mais du coup, va voir, t'as pas trop montré. Justement, qu'est-ce qui se passe quand tu prends ta vision spéciale. Déjà, c'est quoi cette vision spéciale là, Alors, ça, c'est pas la vision spéciale. T'as la Batman Arkham Asylum, Arkham City. C'est juste, en fait, ça vous permet de naviguer plus rapidement à travers la ville. Donc, par exemple, il y a juste à appuyer sur la flèche du haut et du coup, ça va vous permettre de voler assez rapidement. Non, mais je te parlais pas de ça, je parlais de genre quand tu vois à travers le corps des gens quoi. Ah, quand tu vois s'ils sont gentils et méchants. Alors, ça c'est la touche R2. Mm-hmm. Ça permet à Cole de voir un petit peu qui est gentil, qui est méchant. Qui est pas vampire. Donc, c'est pareil quand même de savoir si tu as. Donc là, vous voyez celui avec. Non, c'est pas celui avec les ailes, c'est pas grave. Non, celui-là, c'est juste quelqu'un qui est déguisé. D'accord. Celui-là, ok, celui-là on sait que c'est un méchant parce que.
Celui-là, on sait, c'est pas un méchant. Contre, justement, je cherchais pourquoi c'était un méchant. De manière bien précise. Bah, justement, c'est quoi. Par contre, du coup, on n'a plus cette notion de karma qu'on retrouvait dans les autres films. Oui, alors on est automatiquement méchant. Et, enfin, méchant. Tu es méchant. Tu es méchant parce que tu es vampire. Parce que tu n'as pas le choix. Mais tu essaies de redevenir. Comment t'as su que c'était un vampire? Est-ce que c'est le squelette rouge, c'est ça? Non, c'est le squelette rouge, c'est les gens gentils, enfin, par défaut. Alors, comment tu sais qu'un mec est méchant ou pas? Je ne sais plus. Je crois qu'il y a un truc vert qui se balade à l'intérieur d'eux. Donc, ah, d'accord. Normal, quoi. Normal. Et, c'est juste un petit bugger. Donc, sinon, qu'est-ce que le jeu apporte par rapport à Infamous 2? Est-ce qu'il y a des pouvoirs de plus? Bah, écoute, il y a des pouvoirs de... Bah, comme, l'ambiance, le scénario... Ça, en plus, déjà, il y a un aspect de gestion, par exemple, dans Infamous 2. Il y avait un truc différent. Ah ouais. Ah oui, en haut à gauche, il y a le cœur qui bat. Je pensais que c'était méchant. Méchant ou ça? Bah, je sais pas. J'ai fait le jeu, mais je ne sais pas. Ah, et c'est celui-là, ouais. Ah, ouais, parce que tu n'as pas le squelette en fait. Ah non, c'est bon. Bah, en fait, ça veut bon, tant pis. Tant pis, vous découvrez ça, mais il y a une manière bien définie pour retrouver les méchants. C'est le suspense. Du coup, voilà. En haut à gauche, vous avez le cœur qui bat, bien sûr, parce que vous êtes un vampire. Et donc là, vous avez une jauge en fait que vous allez pouvoir augmenter parce que vous allez retrouver des codes. J'aimerais bien expliquer s'il vous plaît parce que c'est assez important, c'est le truc principal du jeu. Donc il y a la jauge tout en haut à gauche. Donc vous avez la jauge d'électricité bien sûr qui vous permet de déterminer votre jauge d'électricité. Et donc le petit indicateur circulaire là avec le cœur, c'est votre jauge de sang. Et plus vous allez de sang, plus vous allez pouvoir activer les pouvoirs comme celui-là. Ouais, il y a d'autres. Ceci, il faut... Ah, c'est pas illimité alors. C'est pas illimité donc. Il faut mordre. Il faut mordre en fait, c'est pour ça qu'il faut. Il faut bien sûr. Oh, enculé. On s'est défoncé la dent. Je fais mal aussi. N'importe quoi. Non. Et donc. Donc voilà. Donc du coup, vous allez. Alors du coup, l'arme de Cole a changé aussi. Avant c'était. Un bout de métal électrique, voilà. Et donc là c'est une croix. Donc, c'est très religieux en fait. Hein. Ouais. Bah vraiment, évidemment tout ce qui est relié aux vampires c'est assez religieux, ça a une connotation assez religieuse derrière. Donc évidemment ils étaient obligés de passer par là. Mais voilà, donc sinon je voulais parler aussi de la bande son qui est différente de celle qui existait auparavant, enfin dans Infamous 2 à ils l'origine. Ils avaient plus de doubleur pour Cole, donc ils ont pris une femme, j'espère que ça ne dérange pas. Non, je parle surtout au niveau de la bande son. Au niveau de la bande son c'est totalement différent, c'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus... C'est pas des redites, c'est plus... Voilà, ça c'est bien. Il me semble qu'il y a quelques redites au niveau de la bande son, mais tout le reste c'est vraiment de la bande son originale, donc j'aimerais bien la télécharger, et évidemment ils ne l'ont pas mise en ligne sur le PlayStation Store, il me semble, donc voilà, évidemment c'est triste hein, mais bon c'est un peu triste mais voilà, donc pour une fois que quelqu'un voulait acheter des musiques c'est un peu dommage, mais voilà, donc donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à une autre mission pour conclure. Voilà. Donc ici, on se retrouve dans une mission créée par l'utilisateur. Parce qu'évidemment, il y a toujours l'éditeur de niveau qui était présent dans Infamous 2. Évidemment. Évidemment. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est assez différent de ce qui existait auparavant. Auparavant. Donc, c'est différent de ce qui existait auparavant au niveau du créateur de mission, parce qu'avant, c'était juste du texte. C'est pour les dialogues comme ça, c'était juste du texte, alors que là on peut faire une mise en scène, genre style comics, voilà. C'est un peu plus BD, ouais. C'est assez sympa. Et là, Zeke, bien sûr, il n'a pas ses lunettes. Non, il n'a pas ses lunettes de soleil parce que c'est la nuit, évidemment. Et ça, on y pense. Il aurait un peu l'air d'un gros blaireau, quoi. Ah, il a été intelligent, le mec qui a créé ça, vraiment. Voilà. Et donc là, ce que. C'est quoi ce truc par terre, là? C'est un vase canop. Et c'est des trucs à récolter un peu partout, quoi. C'est ce qui. Voilà, c'est ce qui ajoute de la rejouabilité au jeu. Ça permet justement d'augmenter le taux de le sang. De sang un peu, ouais. Ça remplace un peu les fragments. Non oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, parce que évidemment, le taux de. Enfin, les boules d'électricité, il n'y en aura pas plus au cours du jeu. Donc, voilà. Ah voilà. Je sais pas si. Il me semble pas qu'on l'ait montré pendant le vidéo. Ouais, on l'a montré preview, dans la preview. Sucker Punch, donc un petit clin d'œil à Sucker Punch qui est le seul. Ils se font des clodos. Ils se font des clins d'œil à eux-mêmes, évidemment. Petit clodo, je sais pas ce qui s'est passé. Pas ma langue a fourché encore. Évidemment, ils se font encore des. Zombie Cooper. Ah, c'est Snake. Zombie Cooper.
Et voilà, donc toujours des clins d'œil aux autres jeux. Je sais pas, est-ce qu'il y a toujours d'ailleurs le petit symbole voilà, vous avez L.A. Gore, Dead Face, StarCraft 2, Assassin's Creed Bleed, L.A. Gore, StarCraft, c'est assez sympa. Scar Blast, ouais. C'est rigolo ça, j'aime bien. Et du coup, ouais, c'est... Okay. Non, donc... T'as quelque chose à rajouter sur le jeu ou tu penses à... Moi, bah, écoute... Je sais pas, toi. Eh bah, un soit lui, alors. Vas-y. Donc voilà, le créateur de mission a été, du coup, amélioré par rapport à ça. C'est cool, c'est... C'est assez bien, parce qu'il s'est pas refait un copier-coller des trucs précédents. Ouais, pour chef. Il y a aussi des... En plus, on peut même utiliser PlayStation Move, donc pour ça... Pour le créateur de mission, c'est assez pratique. Et sinon, il y a aussi... aussi le fait que... Bah, c'est plus pratique de faire, tu vois, Minority Report, tu vois, c'est... Super. Ah, okay. Better with PlayStation Move, Infamous 2. Donc voilà, donc c'est bien qu'ils aient réactualisé l'éditeur de niveau et rajouté de nouveaux trucs par rapport au jeu. Malgré tout, bon, ça reste une extension qui est en demi-teinte quand même, quoi, c'est pas... Ouais, c'est pas vraiment... C'est un petit peu dommage que la durée de vie soit pas... Ça coûte combien? Comment ça coûte? C'est 10€, ouais. Ça va, c'est pas... C'est pas immonde non plus, mais moi je l'aurais acheté à 7-8€. Tu l'as acheté à 10. Non, j'ai acheté à 10, ouais. Tu l'as acheté? Ouais, je l'ai acheté. Bah oui. Ah, sinon, comment on y joue? Bah, je crois que c'est PS Plus, moi, en fait. Non, j'étais obligé de l'acheter. Cool. Non, il y avait une réduction PS Plus, mais je l'ai acheté plein pot. Ok, d'accord. Tard. Donc finalement, c'est pas forcément une extension qu'on peut conseiller obligatoire. Au plein prix, mais par contre, pour les femmes, prix, Famous, oui. C'est assez sympa parce que c'est un changement d'ambiance et changement de scénario. Et voilà, donc par contre, je ne sais absolument pas si ça se passe après, c'est assez flou. Hein. Bah, je pense que c'est un peu, tu sais, c'est vraiment c'est en mode délire. C'est un spin-off, ouais, c'est vraiment ça. Mais voilà, donc je ne sais pas si ça se passe après, il me semble que ça se passe après, mais. On peut pas être trop sûr. C'est assez flou, donc voilà, ça se passe pas. Mais c'est vrai, c'est comme Undead Nightmare, je peux pas dire ça se passe avant, après. Voilà, donc on se laisse là-dessus et on sur une note aussi, sur une note quand même. Donc tu mets donc du coup je serais forcé de mettre un 13 à cause de sa durée de vie. Et puis il est sympa, mais voilà, c'est pas non plus c'est pas l'éclat total non après plus. Même si vu que c'est Infamous 2, c'est un jeu de qualité, forcément il a une qualité Infamous 2, mais ouais, donc mais 13 sur 20 c'est déjà pas mal, hein. Mais l'histoire elle est assez, enfin l'histoire elle est beaucoup cliché, donc c'est sympa, c'est fait exprès, donc c'est assumé. Donc, enfin, le fait que ça soit un standalone et qu'il propose au final pas énormément de choses, ça, c'est un peu dommage. Pas trop en sa faveur, quoi. Voilà. Donc voilà, donc on se retrouve une prochaine fois. Et moi je serai mort. Sûrement. D'ici l'aube, t'es fini, toi. Voilà. Que, ouais, tu vas tuer la boule de mire vite fait. Voilà. Bref, on se retrouve une prochaine fois. Ciao. J'arrête pas de me répéter. Salut.